Projet éducation sans violence tamen depuis quelques jours dans le pays a une série atelier formation pour sensibiliser parents et professeurs sur la nécessité pour bannir violence dans les méthodes pour éduquer timoun yo. Éducation sans violence, un mouvement 3 jeunes haïtiens mettait sous pied depuis février 2018, gen mission pour décourager l'utilisation toute forme de violence dans le processus d'élévation timoun yo. N'a invite au suivre. Conseiller parents et professeurs éduquer les gens sans utiliser force physique, c'est un objectif ça un mouvement éducation sans violence existe. C'est une façon pour accompagner les parents. Malgré le 10 septembre 2001, le Parlement haïtien a voté une loi pour interdire le châtiment corporel en Haïti. En pile haïtien continue utiliser méthode ça pour faire l'élévation timoun yo. Nous avons des partenariats avec des universités parce que si nous voulons que question bâton suspende, faut nous agir sous enseignants depuis même avant. Et comme si son timoun nous commence à agir depuis en avant, depuis l'an d'avant. Donc du coup, faut commencer à agir sous enseignants depuis même avant d'aller sur le terrain. Parce que une fois que moun nan fin aller sur le terrain, il vient développer habitude là, il a beaucoup plus de mal pour lui pas battre tout le monde encore. Donc du coup, et ça que fait, nous allons dans l'université, nous organiser des conférences pour aspirants enseignants. Et ensuite, nous organiser tout des conférences pour parents et nous organiser tout des conférences dans l'école, surtout l'école l'église, parce que nous pas bay menti, des fois, moun yo qu'on prend des arguments bibliques pour capable battre moun yo pi bien. Même fondateur éducation sans violence, yo gagne un mécanisme qui simple. Ils utilisaient Internet comme canal de transmission. Chaque jeudi, ils diffusaient des tutoriels qui abordaient des thématiques, tant que l'autre alternative, parents ont gagné pour établir bon genre relation avec Timonio, sans pas utiliser vieux discours ou bien gestes violents qui capable de gagner gros conséquences sur l'avenir et la façon Timon Sayo pour être capable de construire tête comme monde. Nous faisons toute année, nous diffusons chaque jeudi une capsule vidéo sur YouTube et Facebook. Et dans la capsule vidéo, ça yo, nous portons des informations pour tout le monde qui suit nous. Nous expliquons comment ça doit faire, mais qui sa recherche scientifique dit. Ce n'est pas comme si, c'est pas parce que nous ne demandons pas de venir laxiste, mais attention, la violence éducative a de grosses conséquences sur la société. Sous société n'a vive là et sous timoun nan tout. Donc du coup, à travers vidéo ça non seulement nous parlons de conséquences, nous pas fait que ça. Heureusement d'ailleurs, nous bayo des outils pour si yo pas bat timoun yo, des outils qui a permettent que yo pas vin laxiste, mais yo construit un cadre sécurisant. Éducation sans violence souhaite aider parents yo établir une relation confiance avec timoun yo, mais pas une relation qui basée seulement sur la pérèse. Yo offre tout un accompagnement spécialisé pour parents qui veulent. Yo ba yo accès à documentation pour yo capable comprendre nouvelles méthodes pour améliorer relation parents ak timoun, enseignant yo tout joindre document sous nouvelles méthodes apprentissage yo. Toute information sa yo disponible sous site yo education sans violence.com.